l'Italie et la République tchèque, deux pays dans lesquels la limite de vitesse actuelle est de 130 km/h, pourrait bien passer à 150 km/h dès l'année prochaine. Un projet de loi qui devrait entrer en application le 1er janvier 2024 est validé en Tchéquie. En Italie, une loi le permettant existe déjà depuis 20 ans, mais n'a jamais été mise en application, ce qu'a promis de faire l'actuel ministre des Transports. En Italie, cela ne s'appliquerait que sur les 2x3 voies avec bande d'arrêt d'urgence. Soit environ 1500 km d'autoroute, avec des contrôles fréquents via radar tronçon. Le principal argument avancé est que le fait de permettre une plus grande vitesse sensibilisera les automobilistes à adopter une conduite sécuritaire. Au-delà des préoccupations écologiques que cela suppose, il est bon de rappeler que les voitures de plus en plus à la pointe ont tendance à déresponsabiliser les conducteurs.